c'est pas vrai. On n'a plus de jus. T'es où? Là. Où ça? Là, je te le dis. Où ça? Aïe! Crétin, tu t'es encore coincé dans les engrenages. Un petit tour de manège. Roule ma poule. T'es toujours aussi drôle. Atterrissage dans 3, 2, 1. Et voilà, l'idiot s'est explosé. Mais tu vas mieux payer, espèce de rongeur dégénéré. Arrêtez d'hurler comme ça. Mais ça suffit. Ah, mais c'est notre Charlotte. Ah, la petite chouchoute. Il fait noir. Elle a les chocottes. Ah, mais elle est là, la fillette. Vous êtes infernaux, hein. Quelle galère, cette vie sous terre. Ça me désespère. Quelle galère, cette vie sous terre. Elle s'ennuie comme un rat mort. C'est ça, la vie de rat, ma belle. Une vie dans les sous-sols ou dans les poubelles. Moi, je trouve ça plutôt classe, l'endroit où on vit. Ah, la v'là qui s'en va. Mais elle va où encore? Madame sort ce soir. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Waouh. Waouh. Ouais. C'est trop. Madame Jouley Snob, elle est allée voir son petit film au cinéma. T'as payé? Dis donc, t'as ramené les pop-corns? Ça y est, je craque, j'étouffe, je me meurs et je vais faire un malheur. C'est décidé, je pars au grand air. Fini cette vie sous terre. Il me faut de l'oxygène. Je veux devenir quelqu'un d'autre. Cette fois-ci, elle est vraiment folle. Adieu. Adieu, tu parles. Elle pourra pas s'en passer de nous. T'inquiète, Oppenheimer. Elle rebroussera chemin. On va lui manquer. Elle cherchera vite la compagnie de ses deux compères au grand cœur. D'être ici, je vais pouvoir commencer une nouvelle vie. Mes racines, s'il te plaît. Hein, quoi? Mes racines. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Oh, excuse-moi, je... Pas d'excuses. Je te conseille de dégarpir. Non, mais... Aïe, aïe, aïe! Quoi, aïe, aïe, aïe? Tu viens de t'asseoir sur un hérisson, je te signale. Et un hérisson, ça pique. Un hérisson? Oui, un Erinaceus europaeus, si tu préfères. Mais je connais pas, moi. Je viens de la ville. Ah, c'est pour ça que tu sens le jus de chaussette. Eh bien, ici, pas de pollution, alors rouste. Mais... Il n'y a pas de mais. J'ai dit dehors. Tu devrais rentrer chez toi.
Moi, je suis assez pour qu'elle s'installe. Ça me fera quelque chose de neuf à me mettre sous la dent. Je me régale déjà. Attention, renard, elle vient de la ville. Elle doit avoir un goût de pot d'échappement. Il semblerait qu'il y ait un souci, non ? Je vous trouve bien injuste, mes amis. Ah, voilà le grand sage qui croit pouvoir remettre les idées de tout le monde en place. Calme tes appétits, renard, et respecte un peu tes amis. Écoute, souris, nous voulons bien t'accueillir parmi nous. Il y a de la place dans la forêt. La vie est bien plus agréable qu'à la ville. Mais ici, chacun a son rôle. Nous voudrions savoir si tu as un talent. D'accord. J'ai ma petite idée. Hein ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! Tu m'écoutes ? Je veux et j'exige que tu reposes mon chapeau. Je te préviens, quand je serai de nouveau entier, je t'empoisonnerai la vie. Aïe ! Bah ça, c'est la meilleure, hein ! Madame n'a qu'à se servir ! Soyez patients, mes amis. Je sens que notre nouvelle invitée a quelque chose de chouette à nous montrer. Je crois qu'elle a gagné sa place parmi nous. C'est Charlotte. Quoi ? Charlotte ? Non, non, mais tu délires, là. Oh, la classe ! T'as vu ça ? Elle a de nouveaux amis ? Bah, on va pouvoir les voir. Mais comment ça ? En allant au cinéma, banana. Oh ouais, trop bien ! On s'en priferait de popcorn ?